filme juste pour le paysage. Grandiose. On devine notre chemin de descente là. Baraquement de Malmore donc. On a failli dormir là-dedans. Il faisait pas moins 15. C'est beau, hein? Manger une barre. Il n'y a pas de raison, hein? Tant qu'à y être. Ben voilà. Venir dormir dans cette baraque. Le toit est encore potable. C'est là-dedans qu'ils voulaient qu'on dorme. Non, c'est pas bon. Ah, par contre, on verra rien. Bah si, regarde, ah oui, c'est tout équipé pour dormir. Bah ouais, mais il faut amener les draps et tout. Ça filme. On dormira, ouais, tu peux, mais bon. Sourire à la caméra. Ouais. De toute façon, là, tu étais à contre-jour, on voit que tu as fait gaffe, ça passe à travers. Ouais. Mais ça fait rien, c'est juste pour dormir. Regarde, c'est des chiottes, ça. C'est normal que monsieur. Enfin, t'es surpris. C'est vrai? Ouais. Ouais. Ah oui, c'était prêt en plus. On peut même faire les feux de camp. Ouais, et tout. Tout devant moi. Prochaine étape, le col de Viras, puis la batterie, si on peut. Le col est juste là. On peut monter là ou bien prendre le magnifique lacet. Et au fait, tout à l'heure, on va descendre par le chemin qui est dans les éboulis en face. Je ne sais pas si on le voit. C'est par là qu'on descend tout à l'heure. J'aurais pu monter sur le vélo quand même. Le col est juste là au bout et la batterie est là-haut. Le col de Viras. Malmore alors donc. Alors, tout à l'heure aussi c'était une connerie. Allez guide, hein. La merde. 11 ans après donc.